La presse anglaise voit déjà Erling Haaland redevenir meilleur buteur de Premier League. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Erling Haaland, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les gars, la presse anglaise voit déjà Erling Haaland être à nouveau meilleur buteur de Premier League. Parce qu'il faut qu'on se le dise, la première journée de Premier League, c'était face à Burnley de Vincent Kompany, légende, ancienne légende, ou bien légende de Manchester City, ancien capitaine de Manchester City. Ça jouait donc contre Burnley. Et dans ce match, City a gagné 3-0 avec un doublé de Erling Haaland, les gars. Et du coup, dans la presse anglaise voit déjà Haaland à nouveau meilleur buteur. Moi, je suis d'accord, je vais être d'accord avec la presse anglaise. Pourquoi? Parce que son seul concurrent, c'était Harry Kane. Harry Kane est parti au Bayern de Munich. Du coup, donc, je ne vois plus qui peut concurrencer vraiment Haaland en Premier League. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'attaquant. Donc, moi, je suis d'accord avec la presse anglaise. Erling Haaland, sauf blessure catastrophique, pour moi, il sera encore meilleur buteur de Premier League. Après, je ne sais pas s'il va battre son propre record de 36 buts, je pense. Mais pour moi, il sera meilleur buteur de Premier League s'il ne se blesse pas. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Erling Haaland va à nouveau sortir meilleur buteur de Premier League? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.